Bonsoir, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous en connaissez d'autres émissions comme celle-là? On vous annonce George Benson et en prime, en hors-d'œuvre, en amuse-bouche, on vous offre Nat King Cole. C'est pas pharaonesque ça? Et il y en aura un pour terminer l'émission. Bonsoir donc, bienvenue sur le plateau de Jazz 6. C'était Nat King Cole, c'est à craquer, c'est sublime. Et puis on va écouter le trio de Monty Alexander dans un hommage à George Gershwin, filmé l'été dernier à Jazz à Vienne. Et ensuite, George Benson, que vous voyez derrière moi, guitariste, chanteur, crooner, tombeur... Un petit peu cher, malheureusement, c'est pour ça. Il nous a donné que 3 morceaux à Jazz à Vienne l'été dernier. Nous dirons peut mieux faire, parce que quand on l'écoute jouer de la guitare et chanter, on peut mettre ses doigts de pied en éventail et ils y restent. Alors, avant d'écouter Monty Alexander et George Benson, j'ai quand même... Je ne sais plus où, j'ai quelques informations. D'abord, on dit bonjour et bonne route au festival Banlieue Bleue qui va faire swinguer pendant plus d'un mois toute la Seine-Saint-Denis autour de Paris. Belle affiche, alors quelques noms parmi beaucoup, beaucoup d'autres. Il y aura Ahmad Jamal, il y aura Cécile Taylor, il y aura Bojan Z, qui est un pianiste plus qu'intéressant. David S. Ware, il y aura Diane Reeves, qui est en tournée donc en ce moment en France et qui passera par les banlieues bleues, Bill Frisell et d'autres. On dit bonjour et bonne route aussi au festival de jazz de Grenoble, dans l'Isère bien entendu. Eux aussi ont une belle affiche, outre celle que vous voyez actuellement, puisqu'ils recevront des artistes comme Martial Solal, Steve Swallow, Kenny Garrett, voilà, l'ONG de Didier Levallet, Michael Brecker, le sax ténor qui mérite d'être écouté, et Akosh S, qui est lui aussi un musicien qui mérite d'être écouté, donc on commence à parler beaucoup. Bonjour et bonne route enfin à Jean-Marc Padovani qui du 9 au 12 investit le New Morning à Paris pour y présenter son nouveau compact Chant du Monde qui est paru sur le label Hopi. C'est un disque intéressant comme l'est Jean-Marc Padovani qui cherche, qui pousse des portes, qui entr'ouvre des espaces. C'est un musicien intéressant et il s'installe donc pendant 9, 10, 11, 12, apparemment pendant 4 jours au New Morning. Allez lui dire bonjour, allez l'encourager. Et maintenant, sans plus tarder, la musique, c'est-à-dire donc d'abord le trio de Monty Alexander, vous allez voir avec Ed Thigpen qui est au tambour et qui est tout à fait impérial, un grand batteur. Et puis ensuite, ce sera donc Giorgio, George Benson. A tout de suite.
Thank you.
Ladies and gentlemen, will you please...